Donc là, c'est bon, je suis bien arrivé à Paille. On a pris le bus ce matin. Et donc, ce qu'on va faire là maintenant, ça va être louer un scooter. Et on va faire un peu le tour des choses à visiter dans le coin. Donc, je suis avec mes deux amis français et une norvégienne. Et donc, là, on va se balader. Donc, vous allez voir un peu tout ça en images. En tout cas, voilà, bah, Paille, super sympa, très calme, ça change un peu. Et donc, petite balade qui arrive très prochainement. À de suite! Des écoliers, enfin donné par Corinne, donc la maîtresse des maternelles. C'est parti pour manger les psumushis. Si j'arrive à les ouvrir. Ça a l'air pas mal, on va commencer par lui. C'est bon le. C'est bon. Mais la texture est très bizarre, mais c'est très très bon. Donc là c'est le matin, il est à peu près 6h30 du matin et on s'est levé pour essayer de voir un lever de soleil dans le canyon. En fait il y a un canyon et le but c'était de regarder le lever de soleil là-bas. Le problème c'est que bon, on s'est levé, on a réussi à y aller en scooter, mais comme vous pouvez voir, c'est un peu nuageux quoi. Bon, le canyon est très sympa. Il y a vraiment pas mal de petits coins sympas. On va commencer à visiter. Donc là, on est à des sources chaudes. 80 degrés et il y a même des endroits où on peut aller se baigner après, donc peut-être pas forcément dans l'eau à 80, mais voilà, on va pouvoir y aller. Ne faites pas bouillir vos œufs. 80 degrés, du coup voilà, des petites sources. Voilà, la source s'appelle Tapai. Bah aujourd'hui du coup c'est encore une location de scooter, donc là on a des scooters qui sont un peu plus puissants et on va aller se balader, on va faire grotte, point de vue, village chinois, cascade, et donc là ça commence dès maintenant. Voilà, vous allez suivre un peu tout ça, ça va être location scooter, location pour la journée, et on est donc trois, donc Daphné, Clem et moi. Donc Sigrid, mon amie norvégienne, elle est partie donc hier sur Phuket. Et donc ouais, on va visiter, on va se balader, on a le scooter pour la journée, on va profiter. On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again.
road again, going places that I've never been, seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again, on the road again. Là, on va vers les grottes de Namlod. C'est des grandes grottes et on va visiter ça un peu. On a une guide. On va voir. Catfish. Hello tout le monde, donc là c'est dernier jour à Pai. Donc là je prends le bus direction Chiang Mai où j'y reste une nuit. Et ensuite, c'est direction Shanghai, donc vraiment tout au nord de la Thaïlande. Ça va être assez sympa, c'est dans le triangle d'or. Donc c'était assez cool. Hier, je faisais du scooter. Bon, je me suis un peu cassé la tronche. Voilà, et les genoux et tout. Mais ça va, aucun souci. Mais voilà, la journée d'hier s'est écoulée un peu plus vite que prévu parce qu'il fallait passer au garage. Mais tout est réglé. Voilà, voilà. Coucou tout le monde, bah écoutez, bien arrivé à Shanghai, donc je viens de m'installer, je suis plutôt bien. Petite chambre privative une fois de plus, au final, bah j'ai pas mal ça. Et là, ce qu'on va faire, donc j'y suis pour 3 nuits, et après je prendrai un bus de nuit en fait pour rejoindre Bangkok, donc ça me fait quasiment 3 jours pleins. Donc je vais avoir le temps de bien visiter. Je vais me louer un scooter, je vais éviter de tomber parce que ben je suis tombé en scooter, comme vous avez pu le voir. Donc ça, après ça va, hein. Il n'y a vraiment rien de bien grave et tout, j'ai eu pas mal de chance. Donc c'est possible que je m'en reloue un, hein, ou un vélo, mais étant donné qu'il y a pas mal d'endroits qui sont un peu loin, je pense que le scooter sera peut-être la meilleure solution. Et puis là, tout dès maintenant, je vais aller faire un petit tour dans la ville quand même, qui a l'air très très jolie. Il y a pas mal de temples, il y a des marchés, donc on va aller manger aussi un peu. Et voilà, le petit point de vue depuis la... depuis l'auberge. Thank you.
hola tout le monde. Premier jour plein sur Shanghai, donc petite location de scooter. On va faire le tour, il y a pas mal de choses à voir. Il y a les femmes girafes, il y a le triangle d'or, il y a des temples assez insolites. Il y a aussi des spots nature un peu, donc il y a plein de trucs à tester. Là voilà, le premier scooter. Et donc je l'ai pour la journée et demain matin, je vais me balader un peu, je sais pas trop où je vais. Là je pense que je vais faire un petit musée en fait avec des maisons traditionnelles, donc c'est l'occasion, je vais filmer tout ça et vous allez suivre un peu. Bon, coucou tout le monde, comme vous avez pu voir, j'ai fait le Temple Bleu et puis Bandam Museum, qui est donc un musée sur les habitations un peu traditionnelles qu'il y avait dans le coin. Donc c'était assez sympa, il y avait plein de styles d'architecture, c'était très joli. Et là, en fait, du coup, je m'étais un peu renseigné, j'ai regardé sur des cartes et tout, et je me suis rendu donc à l'endroit pour voir les femmes girafes. Je savais qu'il y avait pas mal de problèmes, parce qu'un peu voilà, de questions de zoo humain. Et en fait, j'avais trouvé ça qui se décrivait comme une association qui prenait soin des personnes pour les regrouper, nanana. Sauf qu'en fait, dès le moment où je suis rentré, je me suis trouvé qu'il y avait une drôle d'ambiance. Et en fait, c'est typiquement un zoo humain. Donc, c'est juste. En fait, là, je pars. C'est simple, j'ai payé 300 bahts en plus, qui est assez cher. En pensant que voilà, c'était pour le bien de l'asso, je m'étais un peu renseigné, il y avait un site qui en faisait vraiment la promotion et c'est ma faute, j'aurais dû plus se chercher parce que là du coup j'ai commencé à regarder sur Google Maps en fait les avis et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent de zoo humain et c'est juste dégoûtant. Donc si vous connaissez Union of the Hill Tribe, si vous voulez voir des femmes girafes, c'est absolument pas là qu'il faut y aller. Enfin vraiment là je m'en veux énormément d'avoir payé pour ça et d'avoir participé à ce genre de truc. Donc je suis vraiment désolé et je vais aller chercher à dire des femmes girafes de manière éco-responsable et surtout de manière éthique ailleurs quoi. Du coup voilà. Bon voilà, Union of Hill Tribe, c'est une pure arnaque, c'est vraiment un zoo humain et ça me dégoûte. Le problème c'est qu'en fait là donc je comptais partir vite fait mais je commence à réaliser en fait en m'enseignant aussi vite fait à droite à gauche que ben limite voilà les personnes sont exploitées comme un zoo. Donc le seul moyen pour moi de les aider en fait ce serait de leur acheter ou en fait des produits qu'elles font, même si je les donnerai après à d'autres personnes s'il faut, mais c'est peut-être le seul moyen de les aider. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Parce que en fait, si je partais comme ça, j'aurais donné juste à la sorte d'association les sous qu'ils veulent, mais les femmes girafes et autres personnes, au final, ça aurait servi à rien. Donc je pense que je vais faire ça et bon, j'ai pas envie de filmer ces personnes-là. J'ai pas, parce que ça fait vraiment pression zoo, donc je vais pas mettre de vidéos, je vais pas mettre de photos. Sachez voilà les enfants que j'ai vu des femmes girafes, pas dans le contexte auquel je voulais, donc ce défi a été réalisé, c'est pas le contexte que j'aurais aimé avoir, mais ça a été fait, je vais pas aller chercher plus loin parce que j'ai peur que ce soit à beaucoup d'endroits comme ça et donc voilà, j'en suis désolé. Bon là pour le coup en termes de local on peut difficilement faire mieux. Je suis au niveau de la frontière avec le Laos, vous allez voir un peu les images. C'est un point de vue au-dessus du Mekong. Le Laos ça va être très très joli et en fait je suis le seul européen. Genre le mec à l'entrée il était là, il était choqué que je parle pas thaï et tout. Genre j'étais en mode mais qu'est-ce que tu fais là? Genre vraiment il y a que des Thaïlandais ou des gens du Laos je pense aussi.
coup, j'ai loué un nouveau scooter et là, je vais visiter. Donc, vous avez pu voir ce matin avec le premier scooter, le temple avec le grand Bouddha et la pagode. Et là, maintenant, je vais visiter un petit parc, enfin un petit parc, un immense parc. Je vais me balader, je sais pas trop à quoi m'attendre, mais j'ai traversé quelques kilomètres déjà le parc et c'est magnifique. Et là, il y a un petit point de vue, je vais vous montrer ça rapidement et vous allez bien kiffer, je pense. Alors, à noter que le parc s'appelle le parc Singha, et pour les plus grands connaisseurs de bière, c'est aussi en effet une marque de bière thaïlandaise. Et c'est pas pour rien, c'est... les deux sont en effet liés. Donc, ils portent ce nom, et même à l'entrée du parc, en fait, on a une statue du logo de la bière, donc Singha. Et le parc est immense. Là, je me balade un peu, mais je me balade surtout en scooter. Il y a même une tyrolienne géante, je vais essayer de me rapprocher, je pense qu'elle est fermée. Mais je peux quand même filmer le bâtiment, je vais essayer de vous trouver ça. C'est Noël. Bon, c'est les toilettes. Voilà. Donc là, je suis de retour à Bangkok. J'ai pris un bus de nuit. Donc là, je suis un peu KO. Donc je suis arrivé à l'auberge de jeunesse. Là, il est à peu près 7h du mat. Je vais aller dormir un peu, récupérer ma nuit. Hein. Le bus est très très confortable, mais bon, voilà, on dort pas énormément des masses. Donc voilà, je vais y retourner. Je vais aller dormir. Mais là, je suis juste parti. Il y avait le lever de soleil, donc je suis allé en profiter. C'est assez sympa. Là-bas, il y a l'armée qui s'entraîne. Donc voilà, là je pars pour 4 jours encore à Bangkok. Je vais peut-être faire une journée à Ayutthaya, qui est un grand site un peu avec des vestiges, un peu comme Sukhothai. Et puis après, sinon je vais prendre la route, je pense, vers le Cambodge tranquillement. Donc vous allez suivre tout ça. Thank you.